Non. Pourquoi? Un livre de Johnny Lambert. Bien protégé entre toutes les mamans, petit éléphant marchait en rang. Enfin, presque tout le temps. Dans le rang, grondait maman. Petit éléphant regardait partout. Il vit un gnou. Waouh! Moi aussi, je voudrais des grandes cornes pointues. On aurait trop peur de moi. Je chargerai comme ça et comme ça. Est-ce que je peux avoir des grandes cornes pointues, maman? Non. Pourquoi? Dans le rang. De retour dans le rang, petit éléphant vit une girafe. Waouh! Moi aussi, je voudrais des pattes aussi grandes. Je serai le plus grand des animaux et je pourrai manger les feuilles tout en haut. Et avec mon long cou, je verrai partout. Est-ce que je peux avoir des grandes pattes et un long cou, maman? Non. Pourquoi? Dans le rang. De retour dans le rang, petit éléphant eut juste le temps de voir passer un guépard. Waouh! Moi aussi, je voudrais une belle fourrure tachetée et courir aussi vite. Est-ce que je peux avoir une belle fourrure tachetée et courir aussi vite, maman? Non. Pourquoi? Dans le rang. Le temps de retourner dans le rang, petit éléphant vit un crocodile. Waouh! Moi aussi, je voudrais une bouche avec de grandes dents. Est-ce que je peux avoir une bouche avec de grands? Attention! Clac! Petit éléphant, tu dois rester dans le rang. De retour dans le rang, petit éléphant boudait. Oui, mais si j'avais de jolies plumes, je pourrais voler comme l'oiseau et jouer dans le vent. Et si j'avais des... Stop! Pourquoi? Parce que nous sommes arrivés. Tu n'as pas besoin de cornes pointues, de grandes pattes, d'une fourrure tachetée ou de plumes. Tu as de grandes oreilles qui claquent et qui s'ébrouent. Tu as une longue trompe qui éclabousse partout. Et tu seras le plus grand et le plus fort de tous les éléphants. Mais surtout parce que... Tu es mon petit éléphant, dit maman, et que je t'aime comme tu es. Abonne-toi!